Il était une fois un colporteur nommé Aram. Il transportait de l'encens et des épices entre deux cités perdues au centre d'un désert immense. Je dessine, moi, depuis que je suis toute petite. Mes deux parents sont peintres, donc ça a toujours été les jeux d'enfance, on va dire, de dessiner. Et après, je n'ai pas fait d'école ou d'études liées au dessin, mais par contre, j'ai toujours continué à dessiner vraiment pour moi, pour mon plaisir. Il était amoureux de la belle Marjane, fille d'un riche tisserand. Et Marjane l'aimait malgré sa pauvreté, car elle avait vu des trésors dans son cœur. Aram travaillait sans relâche afin de réunir une dot suffisante pour le mariage. Il était jeune, aussi l'espoir de conquérir Marjane restait vivace malgré la faim et la fatigue qui creusaient son visage. J'avais découvert, mais il y a une bonne dizaine d'années, une Ukrainienne qui racontait une petite histoire avec ce procédé. Et ça m'avait beaucoup plu, mais à l'époque, je savais peut-être pas suffisamment, j'étais peut-être pas suffisamment à l'aise encore pour en faire quelque chose. Et j'ai redécouvert il y a un peu plus de 3 ans maintenant, et puis avec des amis qui m'ont dit « Oh, vas-y, il faut que tu essayes de faire un truc !» Donc j'ai essayé au début avec du couscous dans un plateau à petit déjeuner, avec ce qu'il y avait dans le placard, et puis ça m'a beaucoup plu. Quand il était seul dans le désert, que le vent et la chaleur s'acharnaient sur lui, l'image de la jeune femme qu'il conservait précieusement en lui l'empêchait de succomber au désespoir. La dimension du mouvement m'a beaucoup plu, le fait que ça soit éphémère, que ça soit très rapide, alors que sinon je peux passer des heures et des heures à dessiner un seul dessin, et là, en quelques secondes, les dessins naissent et se modifient pour raconter des histoires, donc ça m'a vraiment beaucoup plu. Il lutta toute la nuit pour sauver ses maigres richesses, et il s'endormit au petit matin en même temps que la tempête, épuisé, la gorge en feu. Ça fait un peu plus de 3 ans que j'ai vraiment commencé à mes premières expériences. Ensuite, il m'a fallu 1 an pour créer la première version du spectacle. Et puis après, ça s'est amélioré et étoffé au fil des représentations. Donc là, ça fait plus de 2 ans qu'on le joue un peu partout en France. Donc ça m'a laissé le temps de, de l'affiner. Enfin, c'est vraiment moi qui fournis le plus gros, on va dire. C'est-à-dire que je propose les dessins, je propose les textes, les histoires, et c'est moi qui compose les bandes-sons. Après, une fois que j'ai écrit les histoires et que je les ai mis en images, des amis peuvent me conseiller sur dire « Ah, bah, moi j'écrirais plutôt ça ». J'ai un ami écrivain notamment qui a complètement réécrit les histoires pour qu'elles soient plus jolies. Puis après, on a travaillé avec les deux comédiens qui ont fait les voix-off. Et puis voilà, après c'est surtout oui, un œil extérieur pour valider ou au contraire dire « Ah non, ça marche pas » ou « C'est trop lent » ou « C'est trop rapide ». Voilà ce petit détail, on va dire, de... À son réveil, le soleil cuisant lui révéla l'étendue du désastre. Son dromadaire avait disparu, ainsi que sa précieuse cargaison emportée au loin ou enfouie sous des monceaux de sable. Il avait tout perdu, sauf la vie, ce qu'il regrettait presque. Tout ce qu'il avait économisé pour obtenir la main de Marjane s'était envolé. Donc bien sûr, avec des inspirations sur le conte dans le désert, inspiré d'Aladin, des mille et une nuits, dans ces ambiances-là. Et puis le conte du Rossignol, qui est inspiré d'un conte d'Anderson, et puis complètement recomposé pour s'adapter à cette technique-là. En scolaire, c'est en général assez animé parce que chacun y va de son petit commentaire. Les enfants aiment bien commenter ce qu'ils voient, puis découvrir, essayer de deviner ce qui va être dessiné. Quand c'est pour les adultes, c'est beaucoup plus calme.
Donc pour moi, c'est beaucoup plus doux aussi au niveau de la concentration. Je peux vraiment me permettre beaucoup plus de finesse et de temporisation, on va dire. Donc, et puis je crois que le public le reçoit à un autre niveau de compréhension aussi. Je crois que les enfants voient vraiment ont le plaisir des histoires et de voir les images apparaître. Et je crois que les adultes ont plus de sensibilité à la technique que ça demande et puis du coup à la magie que ça peut faire de voir un dessin apparaître. Voilà, donc j'aime bien les deux, c'est très différent, les deux propositions sont très différentes. Au fond de ce trou, un objet métallique se mit à briller. Intrigué, Aram cessa aussitôt de s'apitoyer sur son sort. Il arracha à la dune une petite lampe à huile en cuivre patinée par le temps. Pour l'instant, on est ravis de voir qu'on a beaucoup de sollicitations pour jouer ce spectacle, donc on en profite. On profite de pouvoir le présenter parce que c'est pas forcément évident, surtout ces temps-ci. C'est pas facile de tourner un spectacle et d'en vivre. Donc là, on en profite vraiment pour s'auto-subventionner, puisqu'on ne reçoit pas de subvention. C'est vraiment nous qui avons tout mis en place. Enfin, nous, avec mon compagnon qui m'aide sur ce projet-là. Et donc, tant qu'il pourra vivre, on en sera ravis, parce que c'est vraiment un chouette, à chaque fois, des très chouettes rencontres avec le public. Il entra triomphalement dans la cité où tout le monde fut stupéfait. On était bien contents, un prix du public, donc c'est chouette. Je pense que ça nous a bien aidé aussi à nous faire, à ce que les programmateurs nous fassent confiance aussi, parce qu'il faut que le programmateur sache qui on est, et puis voilà, parce que c'est vrai que moi c'est un premier spectacle, donc je connais personne, je connais pas, les programmateurs ne me connaissent pas. C'est ça, elle a été créée avec le spectacle. Quand on a vu que le spectacle commençait à se développer et qu'on commençait à pouvoir le jouer, on s'est dit, il faut une compagnie alors. Il s'agenouilla devant le père de Marjane, lui offrit la moitié des dromadaires et de leur cargaison en échange de la main de sa fille. Le riche tisserand subjugué annonça aussitôt le mariage. Les noces furent heureuses, car les deux jeunes gens s'aimaient d'amour et non d'argent. Thank you.